que le lieu de notre dernier exploit se trouva dans une autre juridiction que celle de Limoges. Nous fûmes donc transférés dans le ressort judiciaire de Bugeat, dont le siège, oh surprise pour moi, était la ville d'Ussel qui m'avait vu naître. J'y revenais enchaînée entre des gendarmes dans la fleur de mes 25 ans et je l'avais quittée dans les bras d'un gendarme à l'âge où je ne savais pas marcher. Je fus écrouée dans le bâtiment où j'étais née, dans une cellule toute proche de la chambre qui avait entendu mes premiers cris. Les circonstances anormales qui m'avaient ramenée à ma petite ville natale ne m'avaient pas permis de voir grand-chose d'elle. J'avais juste aperçu une allée plantée d'arbres, au milieu de laquelle était érigé, sur un piédestal, le buste en bronze d'un explorateur, sans doute un compatriote. En passant, je lus ses noms et qualités, constatant ainsi que ma cité avait eu au moins un enfant dont elle se glorifiait. Ce qui pouvait compenser à ses yeux les enfants qui tournent mal et la rancœur qu'elle éprouverait pour celui qui lui revenait et que l'on verrouillait. Un dangereux malfaiteur. J'avais beau regimber contre cette appréciation, me dire que mes 25 ans valaient bien les 25 ans de celui qui était devenu, bien qu'ignoré du monde, un illustre explorateur à Ussel, l'effet n'en était pas moins là. Je continuais pourtant le redressement mental qui m'était favorable, plus équitable qu'une opinion générale décernant à celui-là les honneurs de la statue, à celui-ci l'infamie de la prison. C'est au cours de cette protestation muette que mon attention fut attirée par le son de l'heure venant de l'horloge du clocher voisin. Ce son horriblement cassé et raillé accusait nettement une fêlure de la cloche. Je tirais de ce petit fait l'argument consolateur que je recherchais. Mes compatriotes ne sont pas meilleurs juges pour apprécier leurs semblables qu'ils ne sont judicieux pour l'emploi du bronze. Durant ces journées interminables, dans la saleté et la grisaille écœurante des murs, je n'avais plus qu'un petit pan de ciel bleu pour reposer mes yeux. Cet horizon indigent suffisait pourtant à entretenir bien vivante l'idée d'une évasion qui me hantait plus fortement que celle de ma défense. J'en recherchais continuellement les possibilités. Il va sans dire que mon compagnon y pensait aussi. Or, voici qu'un jour, cette possibilité d'enjamber le haut mur de la prison s'offrit enfin à mon regard. La neige se met à tomber silencieusement à gros flocons. Nous voici aussitôt à la besogne. Le tisonnier rougi est porté contre la partie du chambranle portant la gâche, impossible à dévisser. Cela prend du temps. Le bois, nerveux, se carbonise lentement. Il nous faut remettre souvent notre fer au feu. Une cuirasse charbonneuse préserve la partie sous-jacente encore non atteinte. Nous sommes en fumée. L'air devient irrespirable. Cette fumée ne va-t-elle pas s'étendre au reste de la prison et donner l'alarme ? Enfin, voici la gâche déboîtée. Nous sommes dans la cour, le banc est dressé, je sers de marchepied à Herrera. Il grimpe lestement, emportant avec lui le manche à balai muni du drap, roulé en corde. Je le suis. Mon camarade est déjà sur la descente. Moi, sur le mur qui y conduit. Des cris retentissent. Au secours ! Un homme sur le toit ! Deux hommes sur le toit ! Au secours ! C'est la fille du geôlier, sortie pour aller chercher de l'eau. Je me précipite vers l'angle libérateur, j'aperçois Herrera courant dans les champs. Je saisis le drap pour la descente, mais mon poids le fait craquer. Je m'abats lourdement sur le derrière. Ouais, toi, il est là. C'est pas bon. Aussitôt redressé, je prends ma course au hasard. Deux femmes, dehors par ce mauvais temps, me crient « Sauvez-vous vite ! Les gendarmes sont déjà après vous !» J'arrive à un chemin encaissé entre des murs de soutènement. J'y descends, mais à peine ai-je fait quelques pas que j'aperçois un gendarme à cheval qui fonce sur moi. Je tente alors, mais vainement, à bout de force, de me hisser sur le mur pour sortir du chemin creux. Je m'y exprime encore que le gendarme est sur moi, il n'a aucun mal à s'emparer d'une proie aussi essoufflée. Reconduit à la prison, deux gendarmes me tenant encore, le geôlier m'envoie de violents coups de pied dans les jambes que je sens à peine tant mes nerfs et mes muscles sont tendus.
À mon âge, ces garnements n'ont pas craint de me mettre sur la paille. Leur fuite, c'est ma perte de ma place, hein, les salauds!